La présence de l'écosystème French Tech ici à VivaTech pendant cette semaine était pour nous une évidence. En fait, la démarche French Tech, c'est quoi ? C'est la réunion de l'ensemble de l'écosystème numérique de l'ensemble de la région Centre-Val de Loire. C'est une démarche qui a été initiée entre Tours et Orléans dans un premier temps, et puis ensuite par le 41 qui est venu nous rejoindre, Châteauroux, Bourges et maintenant Chartres. Et en fait, l'idée, c'est de se parler, c'est de fonctionner ensemble, c'est de faire dialoguer nos écosystèmes pour faire émerger des beaux projets et des start-up. Et on est très heureux de faire partie de cette aventure, comme on fera partie aussi à Lisbonne du prochain salon et comme on a fait partie du CES de Las Vegas au mois de janvier. Dans ce salon, dans ce très très beau salon VivaTech 2018, Centre-Val de Loire est à fond. À fond avec les agglomérations, avec les métropoles de Tours et d'Orléans, avec tout notre réseau de start-up pour affirmer notre engagement dans le monde d'aujourd'hui et de demain, dans la transformation de ce monde et des services par le numérique. Sur ce salon, notre région, pour le tourisme, pour l'administration, pour l'économie, pour la santé, pour l'accès à la connaissance et au savoir. Dans tous ces domaines, un grand nombre de start-up sont réunis. On a choisi le terme de GovTech.